And here we are then, the running order for the upcoming session, the session to decide the grid for tomorrow's first ever Bahrain Grand Prix. Slowest in the last session going first, as always, so the two Menardis will be first now. David Coulthard, he's supposed to run eighth. We will wait and see with interest if he does appear. There could be that McLaren bosser Ron Dennis will pull both his cars out of the second session, the deciding session, and through towards the end. The quick boys going last. Michael Schumacher will go 17th. And Ralph Schumacher will be last in. And as we go over to James and to Martin, James, just looking at that list, well, it doesn't look too much like another shoe-in for Ferrari, or does it? No shoe-in for Shuey, as you say, Jim. Certainly throughout the weekend. Yesterday, they hit the ground running very hard in practice, very quick in the first practice session when the track was very dirty and very sandy. We've seen that this season with the Bridgestone tyre. It does seem to quite enjoy a dirty track, but as more and more rubber has gone down over the course of the practice sessions yesterday afternoon and again this morning, then the track seems to have come towards the Michelin tyres. It's a brand new track, obviously, and it's a lot faster than most of the teams predicted. Certainly looking at the predictions in the previews, they were talking about laps in the 1 minute 36 range down to 1 minute 33 in qualifying. In fact, we've seen laps in the low 1 minute 29s already this morning. Jenson Button, the fastest man so far around this. Je rajouterai pour ma part que Michelin a transfiguré l'équipe dans l'ambiance aussi. C'était un pas à couteau tiré naturellement, mais tout le monde était très tendu parce que les performances ne venaient pas. Et durant les essais hivernaux, eh bien cette équipe a retrouvé le sourire. Et les gens de Shepard ne s'en cachent pas. C'est grâce à Michelin, ils sortaient des briefings en riant aux éclats. Ils étaient heureux. Zolt Baumgartner qui s'élance pour son tour de chauffe pour cette séance de qualification du Grand Prix de Bahreïn à Sakhir, avec des températures qui sont en train de grimper, 32 degrés, 52 degrés au sol, et toujours ces trois lignes droites pratiquement sur ce circuit, pratiquement 3 km avalés à fond. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir une très très chaude séance de qualification avec dans les 5 derniers, les 5 plus rapides de la première séance, Olivier Panis, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher, sans oublier évidemment les Renault de Trulli et d'Alonso qui s'élanceront au 14 et 15e rang. Alors vous l'avez vu, le technicien de chez Bridgestone en train de mesurer la température de la piste. Pourquoi? Parce que suivant que la piste fasse 50 degrés ou 48 ans, on peut peut-être modifier un peu la pression des pneus sur les voitures. Paul Stoddard qui observe le tour de chauffe de Zolt Baumgartner. La concentration également chez l'autre débutant de la Formule 1. Il s'agit de Giorgio Pantano. Même si Zolt Baumgartner a effectué deux grands prix l'an passé, il avait remplacé au pied le viral Firman, blessé à la suite d'une terrible sortie de piste en Hongrie. Et le Hongrois avait eu l'immense honneur de débuter sa carrière à domicile. Sortie de Firman qui n'était pas de sa faute. Oui, c'est vrai. Son aileron arrière s'était arraché. C'était arraché, absolument. Un grand prix de Hongrie qu'il avait malheureusement dû abandonner. En revanche, en Italie, 15 jours après, il avait terminé 11e. Et pour ce qui est de la saison 2004, problème électrique dans le 14e tour en Australie. Et il a terminé 16e du Grand Prix de Malaisie, le Hongrois. Et pour le moment, il est... On ne peut que le constater, c'est vrai que son coéquipier Gianmaria Bruni lui donne une sérieuse réplique. L'Italien terminant par exemple 14e en Malaisie, un tour devant son coéquipier. Allez, le temps de référence de Baumgartner, 30,7. C'est déjà plus d'une seconde des temps de référence sur ce premier secteur. Il faudra évidemment comparer son temps à celui de Bruni. On le répète, il faut saluer l'inventivité des aérodynamiciens de Minardi, puisque bon nombre de leurs solutions sont reprises ensuite par les plus grands. Je pense notamment pour ce qui est de cette année, Toyota leur a un petit peu repris l'idée des dérives de l'aileron arrière. Vous savez, pour éviter les vortex, on a pratiqué chez Minardi deux encoches dans ces dérives entre le primaire et le plan supérieur de l'aileron arrière. Chez
Toyota, on a fait plus ou moins la même chose, à savoir que ce n'est pas cette fois-ci entre le primaire et l'aileron et le plan supérieur de l'aileron, mais au niveau de la dérive, en haut de la dérive, on a pratiqué deux encoches cette fois par dérive, des encoches courbes. Le temps de référence, 1.35787 pour le Hongrois, moyenne de 290 km/h. Oui, c'est vite. vitesse, pardon, maximum voilà. De 290 km/h. Premier carter de boîte de vitesse en alliage de carbone aussi, par exemple. Oui, première boîte en titane. Oui, en alliage de titane, pardon. Oui, ouais. Les carters en carbone, c'est chez McLaren. En alliage de titane. En alliage, voilà. Et la boîte en titane. Et vous avez vu les chez Minardi, on a rigolé aussi parce qu'on avait vu 290 km de moyenne. Aussi, comme vous. Oui, 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 ça nous a, oui. Ça nous a surpris. Allez, on va comparer tout de suite le chrono de Bruni avec celui de Baumgartner. Qui avait déjà 8 dixièmes d'avance par rapport à son coéquipier à l'issue des deux intermédiaires. Il conclut le tour 1 seconde 2 plus vite que Zolt Baumgartner. Évidemment, le sourire et de rigueur du côté des mécaniciens de Bruni. Paul Solart également ravi. Attention évidemment à la quantité de carburant embarqué. Hein. Peut-être que Zolt Baumgartner est sur une stratégie à deux arrêts, même si celle-ci semble un peu moins rapide. Ça peut être une stratégie quand on s'appelle Minardi et qu'on peut éventuellement compter sur des changements climatiques ou alors sur la fiabilité pour aller chercher des points. Des Pantano dans le dernier partiel avant de se lancer pour son tour chronométré a fait un excellent chrono. Oui, le meilleur troisième partiel ouais, pour l'instant. Non. Ce sont évidemment des temps qui sont appelés à être battus assez régulièrement puisque plus on va avancer dans cette séance de qualification, plus on aura des voitures rapides, même si là Pantano a près de 4 dixièmes de retard sur Bruni. Ça c'est véritablement à mettre au crédit du pilote Minardi parce que même si l'équipe Jordan est un petit peu en difficulté, elle a été... Oh là là, ça c'est et ils sont pas enlevés. Prévu. Au programme. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges chez Bruni pour qu'on rentre aussi doucement. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il avait arraché la quille? J'ai l'impression qu'il l'a un peu de, oui. Abîmé. Oui. Oui, parce que cette quille-là, elle est faite pour vous empêcher de passer sur, bien sûr, d'empiéter sur la. Et il a repris de l'avance. Voilà. Regardez, 138 millièmes de mieux du coup pour Pantano. Il a avalé le deuxième tronçon en 40 secondes et 3 dixièmes. Vous voyez ces coups de volant qu'il donne avant les courbes hein, pour se placer la voiture. Ils ont beaucoup de mal à la mettre, la voiture dans la courbe. Et ben voilà, c'est quand même le meilleur de ces trois-là. Ouais, la pole position provisoire pour Giorgio Pantano en 1.34.105. On va revoir, regardez ici. Oui, là c'est assez... Il a enroulé à la quille. Ouais. Mais d'ailleurs ça a pas mal bougé parce qu'on a vu qu'il y a une gerbe de terre et quelques graviers. Il était parti beaucoup en sous-virage, donc il a surbraqué. Ouais. Petit débris. Ouais. Ça doit être le bas de la quille qui a dû s'envoler. Nick Heidfeld qui s'élance. On va pouvoir comparer évidemment le temps de l'Allemand à celui de son coéquipier. Pour l'instant, Pantano, une 34.105. C'est le meilleur temps. Il devance les deux Minardi de Bruni et de Baumgartner. Nick Heidfeld, je vous le rappelle,
en difficulté puisqu'il a cassé un moteur lors des séances d'essais libres et donc quoi qu'il arrive il rétrogradera de 10 places sur la grille et il devra donc s'élancer dans la deuxième moitié de la grille de départ. 3 dixièmes d'avance pour Hedfeld par rapport à Pantano. Il a effectué 40 tours depuis le début. C'est, je veux dire, je vois pas comment ça va être difficile pour lui de ne pas partir en dernière ligne. Quoi qu'il arrive, il n'a pas besoin d'attaquer. Tiens, la quille est toujours là. Ouais. Les commissaires ne font pas leur boulot. Supposons qu'il soit 18e. Il est parti. Supposons qu'il soit 18e, donc il sera 28e. Oui. Non, je pense que comme Jacques, il faut que je pense qu'il sera loin. Ouais. Évidemment. Il aurait dû, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une stratégie qu'on peut employer dans ces cas-là, puisqu'on a cassé un moteur, autant rouler beaucoup dans les deuxième et troisième et quatrième séances d'essai libre pour essayer au moins de trouver de la performance. Oui, vous oui, avez tout à fait raison. Quitte à changer de moteur. Mais c'est probablement ce qu'ils ont fait. Allez, 40 secondes tour dans le deuxième secteur pour Hedfeld. C'était 8 dixièmes de mieux, de meilleur jusque-là, et il signe. Évidemment, la pole position provisoire en 1:33.506. Et je vous rappelle hein, évidemment qu'il va rétrograder quoi qu'il arrive de 10 places sur la grille. On voit ici, voyez, la quille qui a été arrachée par son coéquipier Pantano traînait toujours pas loin de la trajectoire. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Et un commissaire est intervenu assez rapidement. Il a dû se faire un petit peu rappeler à l'ordre pour aller chercher la quille qui traînait. Felipe Massa, le Brésilien, qui est rentré dans les points pour la deuxième fois consécutive en Malaisie, il y a 15 jours, il terminait 8e. Et on peut rappeler évidemment que les deux pilotes Sauber sont en train de se faire les bras depuis le début de la saison, puisque la Sauber est toujours dépourvue de direction assistée, en raison d'un manque de pièces. Tout cela rentrera dans l'ordre à Imola. 30.5 dans le premier partiel pour Massa, il est légèrement en retard par rapport à Hedfeld. Il a refait son retard dans le secteur du milieu, 6 dixièmes d'avance maintenant. Ouais, il a perdu beaucoup de temps dans le premier partiel, surtout. Hein. C'est inhabituel, je veux dire, pour une Sauber dans ce premier partiel. Vu la configuration du circuit dans le premier secteur, ça peut être à cause de la direction assistée. Ouais. Ouais, il y a l'épingle. Bon. Non, je pense qu'il a dû se louper, on l'a pas vu. L'image quelque part. On va peut-être le revoir. Et une 32.5 pour Felipe Massa. 9 dixièmes de mieux que Nick Hedfeld. Quel temps il avait fait, Christophe, tout à l'heure, Felipe Massa. Le 15e, 1:32.557. Il améliore un petit peu son temps de la dernière séance d'essai libre. Et on discute, on essaie de reprendre les derniers relevés. Parce que maintenant, ce que l'on peut changer sur les monoplaces, c'est simplement la pression des pneumatiques. Donc il faut savoir si elle convenait à Felipe Massa. Pour l'instant, Mark Webber est en grande concentration. Regardez ce magnifique circuit. Vue d'hélicoptère. La tour, les stands, les parkings qui se remplissent. Des infrastructures absolument pharaoniques. Allez, dans une minute maintenant, le départ de Mark Webber pour son tour de chauffe. Gros plan sur la Jaguar que l'on voit peu. Le seul point faible, hein, j'ai envie de dire, de la Jaguar, parce que chez Jaguar, on ne fait pas de coups, on ne tente pas de coups. En général, tout le monde dit oui, il n'y a pas beaucoup d'essence dans la voiture. Mais c'est vrai qu'en général, il y a quand même assez d'essence pour effectuer un relais, on va dire, classique par rapport aux autres, conforme à ce que les autres font. Par contre, le seul souci, c'est qu'a priori, le moteur consomme beaucoup, plus que la moyenne. On parle de 0,4 kg d'essence de plus consommée par tour, ce qui est quand même énorme. Ce qui explique que Mark Webber, quoi qu'il arrive, il est obligé de faire trois arrêts,
puisque même s'il tente quoi que ce soit d'autre, son moteur consomme en plus, il doit plus souvent passer à la pompe. Mais en fait, on a une consommation en moyenne de 3 litres, 3 litres 2 autour pour une voiture normale. Je veux dire que le Jaguar lui doit consommer 3,5 ou 3,6. C'est évidemment beaucoup quand on multiplie par le nombre de tours d'un Grand Prix, évidemment. Et ça renforce la position de Renault sur la sobriété des moteurs, qui est extrêmement importante en Formule 1, quoi qu'on en pense, et ils travaillent énormément là-dessus. Et c'est pour ça que parfois, tout le temps, ils emploient une boîte de vitesse avec un rapport de moins. C'est un changement de rapport de moins, c'est un peu de consommation. Une boîte 6, exactement. Voilà. Un peu de consommation en moins, une accélération en moins. Oui, et puis l'avantage aussi, le tour moteur. Vous avez vu que si vous utilisez 19 000 tours en permanence, vous consommez plus qu'à 18 000 et que le Renault n'est pas à 19 000 évidemment. Non, non, pour l'instant, mais vous savez que l'an dernier, ils avaient réussi à faire à toutes choses égales par ailleurs, oui. un tour et un tour et demi de plus que leurs concurrents. Et la température pour l'instant assez stable au niveau de la piste. Il faut dire que ça s'est un petit peu voilé au-dessus du tracé de Sakhir. Et qu'on... Je n'ose pas vous dire qu'il prévoit la pluie pour demain. Oui. Alors on dit qu'il y a deux jours de pluie par an ici, vous vous rendez compte? Oui. Mais vous savez, c'est que en fait, ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur un circuit, on met le pied sur le circuit le jeudi, il y a toujours quelqu'un pour nous dire il pleut dimanche. Il pleut dimanche, oui, oui, c'est vrai aussi. Et je pensais pas que ce serait possible ici. Oui, non plus en plein désert, mais bon. Et joli cette vue. On se demande si Marc Weber peut voir grand chose. Oui, oui. En tout cas, il aura effectué son tour de chauffe à un rythme de sénateur. Oui, vous avez vu aussi qu'on en a parlé déjà, mais qu'il y a d'énormes dégagements autour de cette piste, tout en bitume. Hein, vous avez vu, il y a très peu de gravier, quelques protections sur les rails que vous voyez aux alentours avec des pneus. Tout ça est très très bien fait. C'est un véritable protection maximum. Véritable nouveau standard hein, qui a été réalisé ici, parce que non seulement au niveau de la piste, évidemment, tout est très très moderne, les infrastructures pour les équipes sont parfaites. Il faut bien le dire. Il faut saluer au passage le travail de Philippe Gurdjian qui a permis que tout cela soit prêt en temps et en heure. C'est parti pour Marc Weber. Malmené, je vous le disais, lors de la dernière séance d'essai libre par son équipier Christian Klien pour la première fois de la saison. Il va avoir à cœur de remettre les pendules à l'heure. Petit cache de roue qui va lui coûter quelques dixièmes. Très cher. Comme quoi il a la pression quand même. Oui, c'est là où on juge la qualité, la capacité d'un pilote, non seulement d'expérience, mais un grand pilote. Il sait tenir la pression et ça fait faire beaucoup d'erreurs à ses pilotes. C'est étonnant de la part de Marc Weber, mais c'est vrai qu'il a en Christian Klien un sérieux rival au sein de son équipe. À fond, à fond. Vous voyez, il a repris un peu. Ouais, mais il est toujours derrière Felipe Massa. 29 centièmes de retard pour l'Australien. Un retard qu'il va évidemment tenter de combler dans le dernier partiel, peut-être à cet endroit, mais on voit il a un petit peu escaladé le vibreur à l'entrée de ce dernier droite. Et ça lui a permis de revenir un petit peu sur le Brésilien, mais pas d'aller chercher la pole position provisoire. 1:32.625, j'ai envie de dire demi-déception pour l'Australien. Grosse déception, je pense. Je pense que la Jaguar vaut mieux que... Alors, on a un circuit aussi où les qualités de la Jaguar, avec beaucoup d'appui sur des virages un peu différents... complètement différent, même comme c'est le cas, oui c'est le masque un peu chez Jaguar hein, bien sûr, mais c'est un circuit tellement différent et les qualités des voitures ne sont pas aussi prépondérantes qu'elles le sont à que ce soit en Australie ou en Malaisie. On vous parlait de Christian Klien, il a fait sensation ce matin, lui aussi avec un coup de volant très volontaire, la Fernando Alonso j'ai envie de dire, et il va prendre des risques dans cette séance. Trop content d'avoir une belle occasion de se distinguer par rapport à son coéquipier. Ouh, ça, il va peut-être perdre C'est bien récupéré, bravo. On a bien cru qu'il aurait du mal à tourner, mais non, il est à droite. Et 4 dixièmes d'avance par rapport à Massa. 30.1 dans le premier secteur.
Voilà un passage. Il est en train de se révéler sur ce nouveau tracé. Petite glissade des quatre roues là, très grande, là, c'est magnifique. Alors là, ce virage est très délicat. N'attaquez pas trop là, parce que c'est un virage qui peut faire perdre beaucoup de temps. S'il le termine son tour, il est impeccable. Déjà deux fois qu'il nous fait la voiture. Il est impeccable. En accordéon. Il est chaud bouillant, hein, comme on dit. Ce garçon. Voilà, il n'y aura plus de problème maintenant. Il peut encore se louper avant l'entrée des stands. Enfin, avant l'entrée de la ligne droite. Mais là, il n'y a aucun problème. C'est vite. Il a perdu un peu de temps dans le deuxième partiel par rapport à Massa. Plus que 263 millièmes d'avance pour Klein. En tout cas, une nouvelle fois, sur ce nouveau tracé, les petits jeunes peuvent se distinguer. Les petits jeunes, ce n'est pas péjoratif. C'est parce que ce sont les débutants de la Formule 1. C'est ce qu'il est en train de faire, oui, Christian Klein. Et il va peut-être aller chercher la pole position provisoire devant Felipe Massa. Le temps de l'Autrichien, et oui, c'est la meilleure référence pour l'instant, pole position provisoire pour le pilote Jaguar. Pas celui qu'on attend, faut bien le dire. 1.32.332 pour Klein. 204 millièmes de mieux que Felipe Massa. Les freins. On vous l'avait dit, on vous le dit depuis le début du week-end, les freins vont poser de gros problèmes ici. Ce sera la clé de ce Grand Prix, et on a vu déjà que ça a posé de gros problèmes à une équipe de pointe, qui est autre que McLaren, qui a connu quand même des problèmes de freins à l'avant, aussi bien au niveau des pistons qu'au niveau des disques. Assez important. Toutes les équipes ont eu des problèmes. Hein. Williams, tout le monde sont rentrés avec des freins très chauds, beaucoup de fumée. On le voit aussi à chaque freinage, vous verrez sortir des roues cette poussière. Pour ça, il n'y en a aucune qui a fait fondre un pneu. Hein. Non, non. À part eux. On est d'accord. Justement, David Coulthard, c'est lui le malheureux qui avait fondu ses pneus. Tout roue bloqué en bout de ligne droite. À l'avant, il avait carrément éclaté un pneu. C'est parti pour l'Écossais. Peu de tours évidemment couverts par David Coulthard. On l'a vu en tout cas très attelé à la tâche, parce qu'il s'est retrouvé quand même entre hier et aujourd'hui deux fois en plein milieu dans les bacs à gravier. À chaque fois, il est resté près de sa monoplace. Et c'est lui qui s'en est occupé. Il en a pris soin. Il a dirigé les commissaires de piste pour qu'elle soit le moins abîmée possible. Et ça, ça a dû plaire à Sir Frank Williams, qui n'a quand même pas hésité à le remplacer. À Ron Dennis, pardon, qui n'a pas du tout hésité à le remplacer pour l'année prochaine. 169 millièmes d'avance pour David Coulthard. J'ai envie de dire normal. 29-9 dans le premier partiel pour l'Écossais. Ça n'est pas ce qui se fait de mieux quand même. Je vous rappelle qu'on pouvait être en 29-1, donc 8 dixièmes d'écart sur le premier secteur. Mais il n'y avait pas d'essence. Ah oui, beau freinage. On a allumé les pneumatiques. À cet endroit, hier, il s'est fait une énorme frayeur, l'Écossais, en déchappant. Ici même. Ouais. Il s'est retrouvé dans le bac à gravier. 4 dixièmes d'avance pour David Coulthard. 39.1 dans le deuxième secteur. Il ne met pas un gouffre entre Klein et entre lui. Les McLaren nous ont habitués à faire deux arrêts aussi. Hein. Oui. Donc, ils vont peut-être essayer. Oui, peut-être mettre un peu plus d'essence. Je ne sais pas si ce sera très payant. Mais en fait, je crois que c'est pour éviter de s'arrêter, de repartir, de faire chauffer les moteurs. À chaque arrêt, les moteurs prennent beaucoup de température. En tout cas, il est pour le moment en pole position avec un temps très très correct. 1.31.719 pour Coulthard, oui. 6 dixièmes devant Christian Klein. Le problème, je vous le disais, des moteurs ici, c'est quand vous arrêtez au stand, on prend, vous le savez, Christophe vous dit souvent, une quinzaine, 15% de température en plus, qui est énorme. Ça raccourcit la vie du moteur. Voilà, c'est ça en général. Qui a priori est déjà pas bien longue hein, pour l'instant, parce que McLaren, du côté de McLaren, on économise quand même le moteur assez régulièrement, on fait peu de kilomètres, donc c'est vrai que. Il a quand même fini de Grand Prix, David Coulthard, avec son moteur justement en économisant sur les tours. Il n'y aura pas nouvelle évolution, un step, comme on dit, on en restera là. Ils ont eu un step en Malaisie déjà. Un peu. Vous parlez de température qui augmente, la température de l'eau lors d'un arrêt au stand augmente de 25 degrés et celle de l'huile de 20 degrés. Pour être tout à fait précis. 15%. Absolument. Je suis un peu nul en pourcentage. D'Amata, 2 dixièmes d'avance. Ça confirme le potentiel de cette Toyota. Évidemment, on pondère toujours ses résultats avec la quantité d'essence embarquée, mais la Toyota a fait un bond en avant avec McGaskin. Oui, et puis aussi, on est sur un circuit, je vous le répéterai assez encore, accélération, freinage, la voiture, elle accélère, le moteur Toyota est un des meilleurs du plateau. La tenue de route ici, elle est importante, bien sûr, comme partout, mais il y en a quand même moins qu'en Malaisie et qu'en Australie. Ce qui explique un peu qu'on ait vu les deux Toyota de D'Amata et Panis un peu aux avant-postes depuis hier. Et le ciel s'est couvert et la température
2 degrés de moins et 4 à 5 degrés de moins sur la piste. Et il a perdu du temps dans le deuxième partiel d'Amata, dans la partie sinueuse justement, celle qui demande beaucoup d'appui aérodynamique, ce qui est a priori le point faible de la Toyota. Quelques millièmes de retard maintenant pour le Brésilien. La dernière accélération, alors qu'il a failli rattraper David Coulthard, et D'Amata qui va conclure son tour à la première place, 2 millièmes devant l'Écossais, 1:31.717. On applaudit évidemment chez Toyota. Et oui, car il faut bien le dire, c'est la première fois qu'on est aussi à la fête. Et oui, puis on va être dans les 10 premiers certainement, les voitures, il y a des chances. Quoi. D'Amata même qui... si les gens qui suivent, il y a quand même de gros clients. Je vous rappelle quand même que D'Amata, dans la dernière séance d'essai libre, avait signé un temps en 1:30.499. Ouais. Il avait signé le 7e temps, 12 tours couverts. Et la chef Ferrari, on s'affaire devant les écrans, évidemment, puisque Rubens Barrichello est en train d'observer son tour de chauffe. Il sera le 10e homme à s'élancer, le pilote brésilien. C'est parti. Et là, on va avoir également une référence très intéressante avec la Scuderia Ferrari et avec les pneumatiques Bridgestone. On a déjà une petite référence, 4,5 km plus vite que la McLaren. Une attaque, vous avez vu comment il a mangé le trottoir sans aucun problème pour la tumeur de sa voiture. C'est ça la grosse qualité de la Ferrari. Barrichello qui avait effectué un pari un peu différent sur le choix des gommes pour la Malaisie. Je trouve que le temps en a décidé autrement puisqu'il s'attendait à la chaleur. Il a fait plus frais pour aujourd'hui du Grand Prix. Et 2 dixièmes d'avance ici pour Barrichello. Donc il a un peu la rage, comme on dit. Ah ben la piste avait perdu carrément 12 à 15 degrés. Son pari était fichu. Oui, je trouve ça plutôt bien par rapport à l'équipe, que les deux voitures soient un peu équipées différemment. C'est une stratégie qui était vraiment très correcte et acceptable. Deux arrêts. Oui, oui. Au niveau 3 comme pour Schumacher. Presque une seconde d'avance pour Barrichello par rapport à D'Amata. La barre est placée extrêmement haut. Deuxième secteur avalé en 38 secondes 7. Très beau deuxième secteur. Il tentait deux arrêts, il en a fait trois. Il faut stratégie. Bien sûr. Ne me regardez, ne me faites pas les gros yeux. C'est Roger Zabel qui nous fait des gros yeux de Paris, je le sais. Barrichello qui va aller chercher la pole position provisoire. 1:30.530. 1:187 de mieux que Cristiano D'Amata. On reste de marbre, hein, chez Ferrari, on reste très concentré. En tout cas, c'est un temps de référence et vous regardez, extrêmement rapide. Ouais. L'homme qui met au point les Ferrari, oui, Luca Badoer. Luca Badoer, il a sa vraie partie prenante. Un petit rappel sur le classement. Barrichello, donc pole position provisoire devant D'Amata et Coulthard. On marque une pause, on se retrouve très vite. Not one of my better efforts, but you know, we'll see how we go on the race tomorrow. It's been a little bit of a struggle this weekend, but see how we go tomorrow. Was it purely down to problems that you were having, or were there car issues as well? Because it looked like it wasn't the easiest car out there to drive. Yeah, we're not that quick here. We're not that quick, but it definitely wasn't a perfect lap from me, that's for sure. It wasn't a very good effort at all. So, yeah, tough. Some you win, some you don't. Thanks, Mark. Mark Webber blaming himself then, as ever. He's pretty, he's very honest, Joe, isn't he? Always telling it the way he sees it. He's pretty hard on himself, actually. Track temperature's just falling away now. They were 53 down to 48. Air temperature down now from 32 to 30. And so I wonder if they'll just be getting a little bit more grip. Barrichello comfortably fastest then on 1:30.5. D'Amata second, Coulthard third at this time. Kleen, Massa, Webber already down in sixth. Heidfeld, Pantano, Bruni and Baumgartner, 10th out of the 10 that have run so far. Rubens Barrichello est en pole position provisoire du Grand Prix de Bahreïn. Son temps 1:30.530, une année-lumière devant D'Amata, en tout cas 1:187 et 1:189 devant David Coulthard.
C'est vrai qu'il a creusé le trou, Rubens Barrichello, mais il y a de la place et il reste 10 pilotes à passer, à commencer par Giancarlo Fisichella, qui lui va avoir à cœur de devancer Felipe Massa. Ça n'avait pas été le cas en Malaisie, ça avait fait beaucoup sourire le Brésilien. Un petit clin d'œil, hein, parce que c'est vrai que son premier adversaire dans une équipe, c'est quand même son coéquipier. Et donc, Fisico s'élance et on découvre sur cette vue aérienne, ouais, ce sublime tracé, il faut bien le dire, ouais. De Bahreïn. Tracé de Sakhir. Ouais, on les voit bien les épingles. On voit bien les zones de dégagement aussi. Ouais. Et on a aussi de nombreuses bretelles rattachées à cette piste. Parce qu'ici, il y a une piste au Raxter, d'un coup de 200, il y a un ovale, il y a une piste de 3 km 6 ou 7, je crois. Pour des courses non internationales certainement. Giancarlo Fisichella qui ce jeudi n'était pas présent au circuit, je tiens à le rappeler, parce qu'il est malade tout simplement. C'est pas vraiment une petite grippe, il a dû être un petit peu touché par la climatisation. Vous savez qu'ici il sert beaucoup de climatisation évidemment lorsqu'il fait 48 degrés, donc il avait un petit peu mal à la gorge, un petit peu comme notre ingénieur du son. Et c'est vrai que du coup, et un peu comme moi, oui, d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, en Australie, il avait une extinction de voix vendredi. Bah, je vous dirais, pour conduire c'est pas très grave, c'est plus embêtant pour vous Christophe. Oui. Bon allez, regardons le hipar. Allez, physique et la franchie. La ligne de chronométrage, c'est parti pour le pilote italien. Et on va comparer évidemment son temps, en tout cas la vitesse de pointe là encore excellente, 319.8. Il faut dire que le moteur Ferrari 2004 est également à bord de la Sauber. Et ça leur permet d'avoir évidemment un net avantage par rapport aux autres équipes. Et même si ici elle lui a un peu échappé, on parlait de train arrière léger au freinage. Oui, et puis la difficulté pour lui, il n'a pas de direction assistée pour récupérer. Donc on tient le volant, c'est très dur. Et quand il faut le lâcher, il faut le lâcher très, très vite et trop brutalement. Et c'est ce qui explique ces petits écarts que subissent ces voitures, tout comme celle de Massa d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, il a pris l'avantage. Il a pris assez nettement l'ascendant sur Felipe Massa. Pour l'instant, il est dans les temps de David Coulthard. L'Écossais, je vous rappelle, occupe la troisième place provisoire de cette grille de départ. Et comme le signalait Jean-Louis tout à l'heure, il conduit cette voiture depuis 3 courses, il a fait quelques séances d'essai, alors que Felipe Massa, il la connaît depuis un an. Ça change beaucoup de choses aussi. D'abord pour la confiance. Alors plus 8, ça va lui donner un, c'est pas mal. Le dixième de retard. Il a perdu un petit peu de temps, même par rapport à David Coulthard. Il a perdu 2 dixièmes par rapport à l'Écossais dans le deuxième partiel, le pilote italien. Et il pourrait quand même aller chercher une bonne place sur la grille. Là, dans les 10, ça lui plairait. Oui, bien sûr, il n'en est pas loin. À Fisico, qui signe cette fois le quatrième temps à 1 seconde 2 de Rubens Barrichello, mais il échoue à quelques centièmes seulement de David Coulthard. On peut applaudir évidemment chez Sauber, car le tour est de belle facture, notamment le dernier secteur, 22.5. C'est dans le même dixième que Coulthard et que D'Amata. Il doit avoir de l'essence. Hein. On se souviendra qu'à, vous vous souvenez, en Australie, il était parti avec très peu d'essence et il avait été déventé dans ce virage où on avait aussi sorti Schumacher. Il avait perdu tout le bénéfice. Hein. Il était d'une tristesse. Ouais, je l'ai rencontré le soir même dans l'ascenseur. J'ai fait une bêtise. Je dis, mais non, c'est le vent. Mais oui, c'est de ma faute aussi. Il était désespéré. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup chez Fisichella. Un garçon humble, gentil et très bon pilote, un orfèvre au volant. C'est parti pour Takuma Sato qui s'est un petit peu fait remuer, j'ai envie de dire, par Anthony Davidson pendant les essais libres. C'est vrai que ça avait un petit rappel à l'ordre quand même. Il fallait qu'il augmente un petit peu la cadence. C'est ce qu'il a fait avec brio, notamment lors de la dernière séance d'essais libres, le pilote japonais, puisqu'il a signé le quatrième temps. Et oui, quatrième, six dixièmes seulement de Jenson Button, son coéquipier qui a par ailleurs, lui, signé le record du circuit. Donc les barres sont bien là, elles confirment leur bon début de saison. Et on va tout de suite constater si Takuma Sato est dans le bon ton. C'est le cas, de dixièmes de retard seulement sur Barrichello. 29-7 dans le premier partiel. C'est au niveau de Cristiano D'Amata. Et là, vous le disiez, avec un circuit d'accélération et de freinage, ça va être une bataille de moteur. Et à ce petit jeu-là, et du coup, frein, et de frein. Et aussi d'adresse, parce que
tous ces virages, celui dont on vient de voir là, spécialement, est un freinage très difficile en appui. Il faut être adroit là pour réussir. On a vu Christian Klien tout à l'heure très très brillant dans cette partie là. Ça se passe bien en tout cas pour Takuma Sato pour le moment, pas d'erreur. Toujours un regardez, petit peu en formidable. Retard, mais il est revenu à 146 millièmes de Rubens Barrichello. Takuma Sato qui est en train de faire un très joli tour. C'est le meilleur temps dans le deuxième partiel, je signale. Il confirme en tout cas les bonnes prestations de ce week-end et la bonne tenue de la barre Honda. Il va réaliser certainement le deuxième temps, c'est magnifique. C'est pas raté ici. Le pilote japonais, son temps sur la ligne, le deuxième, 1:30 827 à moins de 3 dixièmes. Et regardez, on l'applaudit chez Barr, ça veut dire qu'il a de l'essence, premièrement. Ça c'est sûr, et que Jason Button va être à vide, et ça veut dire que Button va être à surveiller. Ah oui, c'est obligé. Et oui. Et quant à Sato, il a peut-être compris la leçon. Après tout, pourquoi pas, il n'a pas surconduit. Ah, il a été impeccable dans son tour. Peut-être que David Richard, ici à l'image, lui a fait vraiment passer le message dans la tête. Vous pouvez nous répéter ce message d'ailleurs, ça concernait le golf je crois. Oui. Pas besoin de taper dans la balle comme un sourd pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire que l'art vaut mieux que la manière vaut mieux que la force. Bah justement, on va voir tout de suite. Bah c'est pourtant le principe même des Japonais. Hein. Oui. Sans zen, on fait pas et sauf Sato. Sauf tous les pilotes Sato japonais en course automobile. Sato il était zen, le couteau entre les dents. Voilà. C'est parti pour Button en tout cas pendant ce temps et on va le surveiller, le chrono du Britannique, car on vous le répète, c'est l'homme fort de ce début de saison et surtout c'est lui qui a le record du circuit en 1:29.5. millième retard seulement pour Button. Oui, c'est bien passé. Lui aussi aurait enlevé le plot à cet endroit. Les rapports de boîte. Ah, il n'y passe pas pour longtemps, la 7ème, vous avez vu. Pour soulager le moteur. Ouais, oui, encore. Hein, c'est un passage pour pas grand-chose. Ah, il a perdu un petit peu de temps, le Britannique. 269 millièmes de retard par rapport à Barrichello. Rageur, hein, vous avez eu l'accélération. Hein. Il est très très coulé. Le chrono sur la ligne, le troisième temps. Il est battu par son coéquipier. C'est pour vous dire la performance de Sato. Ah ouais. Eh oui, du coup, on applaudit un peu moins. Un peu moins. On est un petit peu plus déçu. Mais très très joli temps effectué par Takuma Sato. 1:30 827, 1:30 856 pour Button. Quelques centièmes de différence seulement entre les deux pilotes Barr. Sympa ces images hein, de voir l'anxiété des pilotes, des mécaniciens de ces pilotes hein, qui sont en train de... L'aboutissement de leur travail, c'est maintenant Trulli qu'il a entre ses mains. Un peu comme chez Barr, on a les deux pilotes Renault qui étaient en tir groupé lors de la première séance de qualification. On va donc retrouver Jarno Trulli, puis Fernando Alonso pour cette séance de qualification. Et on a remarqué dans la caméra embarquée de Button que les vibreurs ont commencé à noircir un peu, se sont un peu patinés, on va commencer à s'appuyer dessus. Bien sûr, la gomme commence à s'installer, on les patine, ils vont être moins agressifs. Et on peut un peu élargir les trajectoires. Voilà. Trulli qui avait rencontré un problème de périphérique sur son moteur, un problème, non pas un problème de moteur, mais un problème dans le système d'alimentation d'essence. Et alors qu'il avait signé le meilleur premier partiel, c'était lors du premier jour des essais, il était en 29.3. Donc signe. Pas mal. Que la monoplace française peut aller très vite. Confirmation avec l'Italien, 73 millièmes d'avance sur Barrichello. Et les écarts toujours aussi infimes. Et oui, les dixièmes vont coûter cher là, hein, sur la grille. En tout cas, c'est de bon augure hein, pour la suite de la saison, que les Renault soient si proches des Ferrari. On attend une grosse évolution moteur pour Imola. On va prendre un peu de risque pour aller chercher encore de bonnes places. S'il est à fond. Ouais, ça a l'air.
Ah, il a perdu un petit peu de temps dans le deuxième secteur, 25 centièmes de retard par rapport à Barrichello. Il faut dire que le Brésilien était particulièrement rapide dans le deuxième partiel, tout comme Takuma Sato d'ailleurs. C'est là qu'il a fait la différence, le pilote japonais. Quelque chose sur son aileron, ouais. Il s'est pris un débris, quelque chose en tout cas du plastique. Allez, quatrième temps pour Trulli, est-ce que ça peut l'avoir gêné un petit peu? Non. Non. Non, ça c'est le scotch de la prise d'air, non, c'est ça? Ouais, c'est un... Non. Parce que c'est accroché à l'aileron. Et ça a dû... Allez, rien de très grave, mais 4 dixièmes encore. C'est pour la course, mon scotch. Ouais. C'est vrai que nous sommes qu'à la séance de qualification. Et en tout cas, il a perdu 3 dixièmes dans le deuxième parcelle, il en a perdu 2 dans le dernier. Il faut dire que la température de la piste est en train de descendre. 47 degrés maintenant. Voilà le garçon qui peut faire la pole pour Renault. Provisoire en tout cas. Allez, c'est le 15e homme à s'élancer. Vous vous souvenez qu'en Malaisie, il était sûrement en première ligne à côté du Michael Schumacher et qu'il avait fait une entrée de virage un peu rapide. Et voilà, il recommence. De ce type-là. Et regardez, voilà. On rate complètement la corde, c'est terminé. Ah, quel dommage! Dès le premier virage, Fernando Alonso qui hypothèque ses chances. Il va se faire remonter les bretelles, comme on dit. Quel dommage. Allez, 8 dixièmes de perdu. Et vous savez que c'est embêtant parce que par rapport à une stratégie employée de partir en deuxième ligne, troisième ligne ou sixième ligne, c'est énorme quoi, pour une équipe. C'est énorme pour l'équipe, pour le pilote, pour toute la stratégie mise en place depuis hier. On a travaillé que pour ça pendant 2 jours et ça c'est une énorme déception. Regardez, il a encore allumé ses roues. Là, il est passé dans la terre. Ça change tout. Et ça change tout quoi. Je veux dire, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'aboutissement d'un travail que ce garçon a entre les mains. Ils vont lui dire comme un Melbourne, comme ils avaient dit à Trulli, il faut que tu doubles. 4 voitures obligatoirement si tu veux t'accrocher au wagon des premiers, c'est difficile. Va un peu plus compromis, 1 seconde 2 déjà. Une seconde 2 de retard, c'est derrière pour l'instant Fisichella. Vous vous rendez compte. Il pourrait se trouver englué dans le trafic et ça, on sait que c'est compliqué. Mais en tout cas, on sait qu'il peut compter sur le départ avec des Renault qui sont extrêmement à l'aise dans cet exercice. Et regardez. Ah, là. Complètement déconcentré. Ça c'est pas bien, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas la pression. Fernando, qu'est-ce qui se passe? Voilà, 1:34-130, 13e temps pour Fernando Alonso, c'est la déception. Bah, c'est-à-dire que Fernando, il va se retrouver avant-dernière ligne. Avant-dernière ligne. Il y a Fisichella encore qui va. Oui, c'est. Non, Hetfeld ouais. Qui va descendre, évidemment. Parce que là, il peut changer le moteur, c'est ce que vous allez dire. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, enfin. Ils vont pas faire ça à chaque fois, quoi, je veux dire. Le problème est pas là, le problème est qu'il faut qu'il se. Je suis très déçu, hein. J'en veux pas du tout à Alonso, mais. Non, on peut pas lui en vouloir, on n'est pas au volant. Mais on est déçu, effectivement. Pas déçu pour lui et pour l'équipe, c'est vrai que. Voilà. Allez. Rubens Barrichello, pole position provisoire, devant Takuma Sato, Jenson Button est 3e, Jarno Trulli est 4e. On marque une nouvelle pause, à tout de suite. It's going to be a tough job. How's the track changing this afternoon? Do you think it's getting much quicker? No, when I run right now, it just felt a little slower, to be honest. But I had a second qualifier was better than the pre-qualify. Yeah, the track temperature is actually going down. It was 52 degrees when we came on the air. It's now 47 degrees. It's quite a big drop, that 5 degrees around here. It's interesting to see how it's changing there. We can see Alonso, a miserable lap for him. You can see that was where he ran off the track. And Ted has news. We've been talking about the Kimi Raikkonen situation. Will he run or won't he? Ted, what's going to happen? Well, James, yes, I can clear it up from down here at McLaren. He will go out and do just one installation lap to scrub the tyres in. He will then come into the pit lane without even starting the proper flying qualifying lap. So he'll have to go through Parc Fermé as usual, but of course start from the back of the grid because he did not complete a second lap, second qualifying session lap. So why are they doing this? Well, Ron Dennis says this will allow them to, quote, save fuel and go for the optimum race strategy for this circuit, end quote. But that sounds like a heavy fuel load and perhaps a two-stop strategy to me. Yes, I don't understand why it allowed them to save fuel because they can put all the fuel they want
before the session starts. It's when the session starts, it's locked off, so they can brim it up if they want to. So that one I don't quite understand. Yes, it does save the engine, and yes, it does mean they don't have to give away their strategy for tomorrow. Barrichello, the fastest man then, in 90.5 seconds. Jarro de agua fría que ha supuesto esas dos pequeñas salidas de pista de Fernando Alonso. Pour ce circuit de Sakhir, le 16e homme à s'élancer, Olivier Panis. Le temps de référence de Rubens Barrichello, 1:30 530. Je vous rappelle pour l'instant que Takuma Sato est deuxième devant Button. Trulli occupe le quatrième rang. D'Amata est cinquième. Et donc Olivier Panis a un vrai coup à jouer. Il peut peut-être aller chercher une bonne place pour la grille de départ de ce Grand Prix de Bahreïn. On avait vu la voiture progresser assez nettement entre l'Australie et la Malaisie, avec simplement un aileron avant un peu modifié. Là, cette fois-ci, c'est l'arrière sur lequel s'est concentré Gasquet et toute son équipe. Et là encore, on a gagné un petit peu en performance, notamment les temps de la dernière séance d'essai libre l'attestent, puisque Cristiano D'Amata avait signé le 7e temps en 1:30 499. Olivier Panis également était rentré dans les 10 premiers, donc pour l'instant, Toyota en phase ascendante. Les 5 meilleurs donc vont s'élancer dans cette dernière partie de la séance. D'abord Panis, puis Michael Schumacher qui est évidemment déjà harnaché en pleine concentration. Il y aura ensuite Kimi Raikkonen. C'est un peu la surprise parce qu'on reviendra dessus. Le Finlandais a très peu roulé depuis le début de ce Grand Prix. Il y aura également Juan Pablo Montoya, puis Ralf Schumacher. A priori, avantage aux Williams, d'autant qu'on l'a vu juste avant, eh bien Fernando Alonso a commis deux petites erreurs qui lui coûtent très très cher, puisque pour l'instant il est 13e à plus de 3 secondes de la pole position. C'est parti pour Olivier Panis. Et puis on vous dira que la température a encore descendu sur la piste. Elle est à 46 degrés, elle était à 52 au départ des essais. Alors pas d'erreur ici. Ça peut aussi changer la donne, hein, cette température qui baisse, parce qu'on peut avoir des pressions du coup pas complètement adaptées et il est possible de se faire surprendre. Il a un coup à jouer, Olivier Panis. Ouais, la voiture toujours un petit peu instable au freinage. Mais c'est quand même un petit peu mieux que lors du début de ce Grand Prix. Le chrono d'Olivier, 29 centièmes de retard seulement par rapport à Rubens Barrichello. Ça le mettrait à côté de Sato s'il reste comme ça. Ouais. En tout cas en bagarre avec Sato pour la deuxième place provisoire de la grille. Attention parce que Sato avait été extrêmement rapide justement dans ce deuxième secteur. Et ouais. Hop, un petit dévers, un petit travers. Ouh là oui, ça a glissé beaucoup. Ah, c'est, il manque un petit peu d'appui sur la Toyota, c'est du côté il attaque beaucoup surtout. Ouais. Bon, il faut la contrôler la voiture. C'est du côté de l'aérodynamique, il y a quelques petits soucis. On perd un peu de temps. Ouais. On a perdu pas mal de temps même entre cette glissade et la réaccélération. On manquait une seconde au total. S'envole à cet endroit. Il est pour l'instant au niveau de Cristiano D'Amata qui est pour l'instant cinquième. Faut plus rien perdre là, Olivier, pour aller chercher une bonne place sur la grille. Allez, dernière accélération, il n'a pas commis d'erreur dans ce dernier secteur. Le moteur Toyota fait partie des plus puissants. C'est le cinquième temps pour Olivier Panis. Eh ben, il a récupéré. Hein. Ouais. Il a récupéré, bravo. Il a récupéré, hein, parce qu'avec ce deuxième secteur catastrophique qu'il a fait, hein, franchement, 39,5 contre 38,7, 38,6. C'est un peu chaud. Ouais, ils sont chauds, mais enfin, quand même, ils ont de l'expérience. Enfin bref, on va pas se mettre à leur place. Non, c'est difficile en plus. Et c'est vrai que l'adhérence est quand même un petit peu changeante. Oui. Regardez. Oui. On entre dans le dernier carré. Ah oui. C'est exactement ça. Carré d'as, hein. A commencer par Michael Schumacher qui s'élance. C'est moins bien avantagé puisque quand on est derrière et qu'on a le temps de ses adversaires, ça vous donne un petit supplément d'attaque. Ah ouh, énorme blocage. Lui aussi a perdu quelques dixièmes au premier freinage. Vous avez vu la vitesse de pointe, 322 km/h. C'est lui le plus vite. C'était pour l'instant pour le moment le plus vite. Oui. Pas étonnant qu'il allume les pneus aussi. Il a dû freiner un peu au panneau trop tard, il fallait se rattraper. Et alors maintenant il ne faut pas essayer de rattraper ce que l'on vient de perdre, il faut essayer de conduire pour ne pas en perdre un peu plus. Ce qui a été le cas de pas mal d'autres pilotes. Et regardez, il est quand même capable d'aller chercher le meilleur temps dans le premier secteur. 28 millièmes d'avance par rapport à son coéquipier. C'est ça la marque de Michael Schumacher. On se rappelle également l'an passé, un Grand Prix en Autriche, lorsqu'il avait commis une erreur. Il s'était mis pratiquement à l'équerre sur un freinage. Il avait quand même été chercher la bonne position. Là encore, il allume. Oh là, ça a été un peu plus cher là. Alors est-ce qu'il va nous faire aussi le meilleur deuxième temps? Peut-être que finalement la température de la piste qui descend, ça pose quelques petits soucis. Ouais, on va voir. Et pourquoi pas?
Ouais, ils ont des problèmes de frein depuis le début. Hein. Aussi. Hein, aussi, hein, Ferrari. Hein. 44 millièmes d'avance encore. Ce sera dans un mouchoir de poche si ça passe. Pour lui et Barrichello, mais ça a sûrement fait les affaires de Montoya et de Schumacher. Hein, il est passé aussi à la limite des graviers, Michael Schumacher, pour aller gagner la pole position. 21-9 dans le dernier secteur. Il est fort. Hein. Exceptionnel le dernier secteur de Michael Schumacher, qu'il conclut 3 dixièmes plus vite que Rubens Barrichello. C'est là qu'il fait la différence pour aller chercher le meilleur temps. On se demande qu'est-ce qui peut arrêter ce garçon. Parce qu'il a quand même fait deux énormes erreurs, enfin énormes, bon, de pilotage. Et malgré ses erreurs, regardez, il contrôle, il perd le moins de temps possible. C'est ça aussi la façon de conduire de Michael Schumacher dans les situations les plus ubuesques. Regardez quand même. Léger contre-braquage en plein milieu. Voilà, contre-braquage, il a balancé l'auto, elle est passée impeccablement. C'est du grand art. Beaucoup de pilotes de rallye feraient bien s'en inspirer. Mais je pense que. Alors lui, il y a un problème. Pour Raikkonen, il rentre. Aïe! Ça fait Mais lui, il est maudit, lui! Kimi Raikkonen. Remarquez, c'est peut-être. Mais c'est stratégique. De toute façon, il n'allait pas. Même s'il faisait la pole position, étant donné qu'il avait déjà cassé un moteur, il se serait retrouvé de toute façon 11e au meilleur des cas. Voilà, meilleur des cas, il va être 20e. Peut-être qu'il préfère partir avec un moteur neuf pour la course. Ça pose un vrai problème parce que tout le monde est en train de s'interroger par radio, mais qu'est-ce qu'on en fait? On va le chercher. Ouais. Sauf qu'ici, c'est assez loin. Donc. Il a eu un problème, hein, ça c'est clair. Ouais. Décidément. Ça doit bouillir dans le casque du Finlandais. On le verra pas parce qu'il est froid, Iceman, mais. Oui. Enfin, pas tout le temps. Il y en a un qui va être moins froid, c'est Ron de Nice. Imperturbable devant ses écrans. En tout cas, en attendant. Eh bien, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher s'élance. Ça fait les affaires de Barrichello. Sur les deux derniers à pouvoir aller chercher Michael Schumacher qui a signé, il faut bien le dire, un temps assez exceptionnel. Je vous rappelle quand même qu'il a signé la pole position en Australie, la pole position en Malaisie. Il pourrait faire la passe de 3 ici et se rapprocher un petit peu du record d'Ayrton Senna. C'est un des records qu'il n'a pas. Le nombre des pole positions, il y en a 65 pour le Brésilien. Donc ça nous laisse encore un peu de marge, mais il en est déjà 57. Il arrive peut-être à la 58e. Donc c'est vrai que c'est encore un... Regardez. Là c'est intéressant comme image, un peu les coulisses, on les voit assez rarement. C'est la pesée tout simplement avec le pilote. C'est high-tech, hein, vous avez vu. Alors on va voir, il va retirer son casque. Et c'est là que tout le monde aimerait avoir un œil sur la balance, parce que dans ce cas-là, on sait quelle est la quantité d'essence embarquée. Oui, bon, remarque, il suffit. Non, suffit pas. Non, parce qu'il n'y a rien de visible. En tout cas, ça pouvait essayer, mais... Tout ça, ça fait les affaires de Sato, de Button, qui, quoi qu'il arrive, seront en troisième ligne. Sato exceptionnel, hein, il fait quand même une très très belle séance de qualité. Il y avait Button qui avait ravi Jean-Louis Moncet en Australie, là, c'est vrai que Sato a fait un très très beau tour également. Exactement. Combien d'essence dans les voitures? Ah, ça. Si on prend en compte la Malaisie, Michael Schumacher en avait pour 8 tours. Donc. Alors Alonso qui va être probablement 17e. Ouais. Raikkonen dernier. Là, ça va faire une belle. Un beau carré, mais dans la fin de la grille. Ça va s'animer. Ça va s'animer au départ. Ça, je pense que évidemment on peut compter sur. En plus, comme par hasard, sont deux sanguins. Donc a priori ça devrait quand même pas mal se passer au niveau des dépassements, on va avoir un peu de spectacle. Raikkonen doit se rappeler qu'il a percuté une voiture au Grand Prix d'Espagne l'an dernier en partant derrière. Allez pour Juan Pablo Montoya, c'est parti. Il a la rage, le Colombien, il avait signé 1:29.6. Et une belle vitesse de pointe. Ouais. C'est mieux que Schumacher, 20 km/h. Et il n'a pas bloqué ses rues. Il a accéléré tôt là, hein, vous avez vu. Il n'est pas là pour enfiler des perles, le Colombien, sur ce début de tour. Est-ce qu'il va voir la fin du tour? C'est toujours ce qu'on se pose comme question quand on le voit attaquer à ce point-là. Oh, formidable. 29-505, c'est pour l'instant ce qu'il faut battre pour aller chercher Schumacher. 118 millièmes d'avance pour Montoya. Oh le teigneux. Et regardez, ça passe. Le contrôle incroyable, le freinage de sa voiture. Alors l'instant délicat. En 29-3 dans le premier secteur, c'est parmi les plus rapides du week-end, tout simplement. Attention, monsieur Montoya ici. Oh, et un peu large, mais c'est sorti impeccable. Un peu large, mais il a pu accélérer tôt pour contrer. C'est pas mal d'être un peu large, parce que la roue avant gauche n'est pas levée, ça évite de bloquer la roue très souvent. Alors, en tout cas, si ça lui a coûté du temps ou pas, puisque Michael Schumacher et Rubens Barrichello avaient fait 38-7 dans le deuxième secteur.
Et l'enchaînement parfait pour Montoya à cet endroit. Voilà. Et toujours en avance, 146 millième. Oh, il monte sur le vivoire à cet endroit. C'est un petit peu osé, mais ça passe pour l'instant. Allez, monsieur Montoya, c'est là, faut faire très attention. Hein. Ça coûte cher, ce petit trottoir là. Non, c'est bon. Ah, il n'a pas escaladé ce. C'est bon. Ouais. Ah, lui aussi, il est passé au ras des graviers. Allez, c'est le temps de Montoya sur la ligne. Il a perdu du temps, 4 dixièmes au total. Vous savez, d'être monté sur la bordure. Vous avez vu le temps que ça lui a fait perdre. Trop d'attaques. Ouais. Oui, oui, mais c'est bon. Mais attendez, on ne va pas leur reprocher d'attaquer. Il faut aller chercher Michael Schumacher, tout le monde le sait. Oh, la femme de Juan Pablo, Connie, qui observe et qui est un petit peu déçue. Déçu. Elle le voyait bien tout en haut de la hiérarchie, son mari. Et c'est vrai que chez Williams aussi, Patrick Head, qui plisse un peu les yeux parce qu'on les voyait bien en haut de la hiérarchie, les Williams, depuis le début du week-end. 6e dans le troisième partiel, il a perdu. Hein. C'est ouais, énorme. C'est énorme. Mais il faut dire que là, par contre, Michael Schumacher, dans le dernier secteur, a mis tout le monde d'accord parce qu'il met 3 dixièmes au deuxième plus rapide de ce dernier partiel. C'est quand même quelque chose. J'ai envie de dire, encore une chance pour Ralf Schumacher. Il l'a réellement. En tout cas, il a été plus rapide que Montoya sur la dernière séance d'essai libre en devançant son coéquipier de 6 petits millièmes. Là aussi, la vitesse de pointe est bonne, un peu moins rapide que son coéquipier Ralf Schumacher. Alors, vous savez là. Et c'est important également pour Ralf, pardon, cette course, parce que vous le savez, il n'a toujours pas signé avec Williams pour la saison prochaine. Il est peut-être en recherche d'un baquet, peut-être en partance d'ailleurs chez Toyota. Donc, c'est vrai qu'il faut se mettre en valeur. Et il faut notamment gagner des courses pour se mettre en valeur. 118 millième, exactement comme son coéquipier. 118 millième d'avance sur Michael Schumacher après le premier partiel. Là aussi, on va chercher les derniers centimètres pour élargir la trajectoire au maximum et pouvoir accélérer le plus possible. Avec plus à l'intérieur ici que son coéquipier. Bien joué, bien joué. C'est un peu mieux. Vient de régler une répartition sur le bas de son volant. Oui. Avec le creux de la main. Ouais, c'est vite. Ah, il est en retard, 226 millième de retard par rapport à Michael Schumacher. Il va peut-être le rattraper dans le dernier secteur avec les mêmes réglages que son frère. Ah, vu le temps qu'avait fait Michael Schumacher dans le dernier partiel, ça semble mission impossible pour Ralf. Et sur la ligne, finalement, Michael Schumacher qui signe sa 58e pole position exceptionnelle. Pilote Ferrari, en tout cas, on a Michael Schumacher donc qui est en pole position pour la 3e fois consécutive, pour la 58e fois de sa carrière. Il devance son coéquipier Rubens Barrichello de 3 dixièmes. Derrière, Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher sur la 2e ligne. 3e ligne, Sato Button. Et sur la 4e ligne, on retrouve Trulli et Olivier Panis qui rentre dans les 8 premiers, D'Amata est 9e devant Coulthard. Et puis pour animer un petit peu la course demain, il y aura Fernando Alonso 17e et Kimi Raikkonen qui partira sur la dernière ligne. Ah ouais, en tout cas, une belle performance. On peut peut-être penser que Michael Schumacher, comme il a récupéré sa voiture avec ses freinages intempestifs et qu'il ait perdu aussi peu de temps, ça voudrait peut-être dire qu'il n'est pas très chargé en essence aujourd'hui. Peut-être, sans aucun doute même, mais vous savez. Mais en tout cas, la performance. La recette en or, vous la connaissez. Oui, oui, moi je suis d'accord avec celle-là. Trois arrêts, la course. Je la prêche depuis le début de cette nouvelle réglementation aujourd'hui. Il faut partir en tête avec peu d'essence, on s'en fiche, on est devant, on a le moral et on avance. Je dirais, Schumacher, il a toujours le moral, hein, qu'il soit devant ou derrière, il attaque de toute façon. Je me suis inspiré de ce que vous m'avez dit et de votre carrière. Quand on fait la course en tête. Par rapport à être au milieu du peloton, on perd un dixième à droite, un dixième à gauche, un dixième devant, un dixième derrière. La course en tête, on est libre, tranquille, on ouvre et on aboie tout seul. C'est vrai, Schumacher, là, il va aboyer, je peux vous le dire. En tout cas, il a fait un très très bon temps. C'est incroyable avec les deux erreurs. Et donc, ce que nous avons dit à la fin des essais libres ce matin, qu'il ne fallait pas enterrer les Ferrari. On a bien fait de le dire. La preuve, on est une nouvelle fois. On ne peut jamais enterrer une Ferrari, en tout cas, en ce moment. C'est impossible. Ni une Ferrari, ni Michael Schumacher, de toute façon, et ni Rubens Barrichello, qui est quand même dans l'aspiration, comme on dit, de son coéquipier une nouvelle fois, comme en Australie. 4 dixièmes, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Hein. Et Montoya, qui a aboyé lui aussi derrière, chez Minster, pour ce qui le concerne. C'est très étonnant d'avoir perdu autant de temps dans le troisième partiel.
Un point sur le classement, Michael Schumacher, donc pole position, la 58e de sa carrière. Il devance Rubens Barrichello, le pilote allemand qui a fait la différence. Et il espère évidemment ajouter à cette 58e pole position une 73e victoire. Il faudra évidemment surveiller ça ce dimanche. Ouais. Deux erreurs, mais la pole position quand même. Ah ouais, magnifique. En tout cas, il a encore fait un tour de qualif formidable. Je me rappelle l'Autriche l'année dernière. Deuxième virage, il se met en travers. Il est incroyable. Et il va chercher la pole devant Raikkonen. C'est vrai que. Il est incroyable. Il ne lâche rien, comme on dit. Fort sur l'homme, il ne lâche rien. Il est content. Il voit ça comme un vrai pas vers la victoire. Bah oui. Il n'était pas sûr, il devait être inquiet. Il n'était pas sûr. Ouais. Rare de le voir. Et il y avait de quoi hein, pour le sait, non, ça veut dire qu'il connaissait bien son. Il s'est arraché pour faire ça. Voilà. Ça, c'est une pole position difficile. Et il regarde un peu la voiture. Il est content de lui. Mais il est content. Il y a des fois il trouve ça normal et là il a dû s'arracher. Donc ça va pas être facile quand même. Cela dit, messieurs, on a quand même 7 voitures dans la même seconde. Donc des performances très proches les unes des autres. Oui. J'irais même plus loin, cette voiture en 8 dixièmes. Oui. Ouais, c'est bien. Et il manque Raikkonen et Alonso et quand puis même. Une belle performance d'Olivier Panis. Roger, les 8e devant D'Amata avec une Toyota performante ici. Et Olivier Panis avait aussi les moyens d'être un peu mieux placé que cela, puisqu'il n'a pas fait un deuxième secteur de toute beauté, loin de là. Il a fait une petite erreur dans ce deuxième partiel. Il aurait pu grappiller une place ou deux encore. Mm-hmm. Oui, mais il va partir dans le bon wagon. Exactement. Ouais, il est dans le juste bon derrière wagon, les barres. Il a qu'à suivre Trulli. Généralement, les Renault, ça part bien. En tout cas, là, il y a aussi une autre facette hein, de ce départ du Grand Prix. On a vu que hors trajectoire, la piste était relativement poussiéreuse, relativement sablonneuse même. Donc, il peut y avoir également un avantage à partir du côté gauche de la piste pour le départ, c'est-à-dire un avantage à Michael Schumacher, un avantage à Montoya, à Sato, à Trulli, à D'Amata. Et on peut peut-être voir ce qu'on voit sur d'autres circuits, à savoir Rubens Barrichello, peut-être en difficulté. Ouais. Le plus embêtant ici, c'est le départ, justement, pour surtout cette épingle où ils vont arriver à 250 km/h. Trois de front, certainement, minimum, hein, sinon, ils ne sont pas des pilotes. Donc, un départ impressionnant, je peux vous le dire demain. Ça va faire drôle. On va être tendu à notre téléviseur, nous, pour voir ce qui se passe. Montoya, il a ce qu'il aime bien devant, c'est-à-dire du rouge. Ah, oui. Donc, il va pouvoir essayer de prendre l'ascendant rapidement. C'est en général sa façon de réagir. Le jeune japonais Masato qui est là aussi, impeccablement bien placé. Takuma Sato, il ne va pas falloir qu'il surveille trop Jenson Button parce que ça peut être le problème. C'est en voulant bien faire, c'est le mieux l'ennemi du bien. C'est vrai qu'il y a, il peut y avoir un petit souci. Non, regardez là, cette épingle, on la voit bien là. Et notre ami Fernando Alonso était un petit peu à côté. Ah, des interviews, je vous laisse en compagnie de Michael Schumacher. BMW Williams, Juan Pablo Montoya pour BMW. Et puis sur la première ligne, Rubens Barrichello. Et encore en pole position, Michael Schumacher, bravo. Il semble que ça a été quand même deux journées très difficiles de travail. Heureusement, il me disait que, a priori, c'était un travail difficile à accomplir sur les voitures. And we finally got everything together. On a réussi finalement à tout mettre ensemble pour faire un bon tour. You talking about your own performance there, or are you saying you could have got more from the car, given more time with setup and so forth? En parlant de votre performance, sort of struggled in some way to get the perfect lap in all of us somewhere somehow. C'était difficile de réaliser le meilleur tour. To get everything c'était out très of, compliqué. Circuit, as the circuit is very demanding. C'était très très difficile. On a essayé de faire et on est ravi d'avoir réussi à faire ça. It's not about that. I mean, don't think too many of us went offline. It's just that it is very tricky even online. La piste est vraiment très très délicate, notamment sur la ligne. Et c'est vrai que techniquement, ce n'est pas un circuit si difficile que ça, mais au final, ça l'est. Vous avez signé un très très bon secteur dans le troisième. Moi, j'ai fait un tour raisonnable, pas forcément un très rapide, mais j'avais quelques petits problèmes de frein dans la première séance, donc je ne m'attendais pas vraiment à être aussi loin. Je ne pensais pas qu'il y aurait
une telle différence avec les freins. Donc j'étais un tout petit peu trop prudent dans la première séance. Dans le dernier virage, c'est là où j'ai tout perdu au final. C'est vrai que dans le troisième secteur, j'étais un petit peu plus prudent. Juan Pablo, comment s'est passée cette séance de qualification pour vous? Oui, les deux premiers secteurs se sont bien passés. Le tour était plutôt bon jusqu'à temps que j'arrive dans le dernier virage. J'ai souviré. Donc du coup, j'ai dû soulager un petit peu l'accélérateur et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et c'était impossible pour moi de faire la différence. En tout cas, j'avais fait deux bons premiers secteurs et c'est dans le dernier que je perds tout. Michael, on est pour la première fois ici à Bahreïn. Il y a évidemment le facteur sable, la chaleur. Décrivez-nous un peu quelles peuvent être les conditions ici. On a été bien préparé. Le circuit aussi a été particulièrement bien réalisé. Quand on voit le temps qu'ils ont eu, le peu de temps qu'ils ont eu pour effectuer un tel travail, en fait, tous les gens, tous les pilotes que j'ai entendus, avec lesquels j'ai discuté, disent qu'ils sont absolument ravis d'être ici. J'espère qu'on va évidemment avoir un très très beau Grand Prix avec beaucoup de spectacles. Deliver Formula One, and it will be good to show something to those people.